TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au menu du 20h de ce lundi, il y a d'abord le 27 avril, la fête de l'indépendance du Togo, les activités inscrites au programme ce jour, la pose de la première pierre pour la construction de l'université de Kara et l'inauguration du nouveau marché de Kara par le chef de l'État Faure Essosimna Nyasimbe. Nous irons sur place dans un instant. La nouvelle campagne de vaccination contre les épizooties est lancée à Bassar, la rage, la maladie de Newcastle et autres. L'opération va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. Également dans ce journal, la première édition des journées d'études sur les enjeux des finances publiques du 21e siècle en Afrique, un cadre d'échange pour trouver des approches de solutions aux défis de l'heure. Et puis la 11e édition du concours d'art oratoire à l'Université de Lomé, les jeunes filles sont ciblées et motivées à prendre la parole en public sans complexe. Trois ont été primés au final. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. D'abord, la suite du programme des festivités du 27 avril, le 63e anniversaire de l'indépendance du Togo, présenté par Joseph Amégan. Programme des festivités du 27 avril 2023. Lundi 24 avril 2023. 8h30, pose de la première pierre de l'Université de Kara. 10h30, inauguration du nouveau marché de Kara. 14h, inauguration de l'IFAD élevage de Barkwassi. Mercredi 26 avril 2023. 8h30, discours de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. 11h, inauguration de l'hôpital Docteur Lafière. 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance par Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Jeudi 27 avril 2023, 6h, 21 coups de salve. 8h, mise en place terminée à la place du défilé. 8h15, arrivée de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 8h20, arrivée de Madame le Premier ministre. 8h30, arrivée de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées. Revue des troupes, honneurs militaires, prestations des chorales, saut parachutiste, début du défilé militaire. 10h30, fin du défilé. Les festivités dans les chefs-lieux de préfecture, jeudi 27 avril 2023, 7h30, défilé des éléments de force de défense et de sécurité présents dans le milieu. 14h, réjouissance populaire dans les quartiers, signé le ministre d'État Payadoua Boupessi. Et partons tout de suite pour Kara. Le président de la République, Faure Essosimna Nyasimbe, y était pour la pose de la première pierre pour la construction de l'université de Kara et l'inauguration du marché central de Kara. Nous allons y revenir si tout va bien dans le courant de cette édition. Des offices religieux ont eu lieu dans le même contexte des prières pour la paix et la sécurité au Togo organisées à Thévié et à Tapami. Sylvère Abdou.
À travers la célébration du 63e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale, chaque citoyen veut jouer sa partition par une prière pour un Togo plus uni et solidaire. C'est en tout cas tout le sens de cette messe d'action de grâce dite ici à l'église Notre-Dame des Sept Douleurs de Gléhi, messe demandée par les autorités communales afin d'implorer la grâce divine sur le Togo pour la paix, la sécurité et le mieux vivre ensemble. Nous avons eu cette occasion de nous retrouver en famille pour prier Dieu et dans l'intention de confier notre pays, le Togo, à sa bénédiction. Et les cadres, toute la population s'est retrouvée pour dire merci à Dieu pour la vie accordée au premier dirigeant, son Excellence Faure Sozimna Nyasingbé, à son gouvernement et à toutes les autorités à tout niveau pour rediriger ce pays, pour la paix que nous avons dans ce pays et que Dieu nous comble davantage, bénisse davantage le président de la République pour maintenir et soutenir cette paix que nous avons au Togo, quelque chose qui est rare et très riche à nos yeux. Les fidèles ont donc imploré Dieu à travers des prières, mais aussi par des chants pour manifester leur reconnaissance à Dieu. Cette célébration a été également observée à l'église presbytérienne, paroisse de Gléhi. Ici également, les voix ont été élevées pour confier le chef de l'État dans la main du Seigneur pour la bonne conduite de sa feuille de route visant à faire du Togo un pays émergent. Des prières en prélude à la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance du Togo. Des offices religieux à la paroisse Saint-Esprit à Titoé Démé et à l'église évangélique presbytérienne d'Apégamé. Autorités politiques et administratives de la préfecture et de la commune de Zio 1 ont pris part aux prières d'action de grâce. Nous sommes togolais, faut comprendre pour l'avancement de ce pays. Il faut comprendre aussi que le message de Jésus et l'affirmation qui fait voir de lui-même ont poussé ceux de son temps à le crucifier selon les lois humaines. C'est pour cela que Saint Pierre, dans la première lecture, dit « Vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois. » Nous célébrons encore une fois cette année notre indépendance. Et pour tout commencer, nous devons remettre cette célébration suprême de la nation entre les mains de Dieu. Les officiants ont adressé leur reconnaissance à Dieu pour la vie des responsables du pays. Ils ont prié pour le chef de l'État et pour la nation tout entière. Allez, tout autre chose, la nouvelle campagne de vaccination contre la rage, la maladie de Newcastle, la peste et le charbon bactéridien des animaux à sang chaud. C'est la 11e campagne que le Togo organise à travers le pays. Le lancement s'est déroulé à Bassar. Nestor Mouzou. Le Togo, sur la voie de l'éradication des épizooties majeures dans le secteur de l'élevage. Une nouvelle campagne de vaccination a été entreprise dans le pays. Elle a été lancée à Bassar. Elle vise essentiellement à lutter contre la rage des animaux de compagnie, la maladie de Newcastle de la volaille, la peste des petits ruminants et le charbon bactéridien ou fièvre charbonneuse pour le gros bétail. La 10e campagne a permis d'atteindre un taux de couverture vaccinale de 87% à travers le pays. Cette 11e campagne entend faire plus. Le Togo compte éliminer ses épizooties d'ici à 2030. Comme toutes les autres campagnes de vaccination avant, celle-ci aussi est subventionnée. Pour la volaille, c'est 25 francs au lieu de 225. Et pour les petits ruminants, c'est 100 francs au lieu de 625. Et pour les chiens, les chats, les singes, c'est 0 francs. Il faut jeter des fleurs au gouvernement qui est en train de faire un effort pour relancer la production animale. Aujourd'hui, pour la maladie de Newcastle, nous avons quitté la prévalence de 32% en 2011. Aujourd'hui, nous sommes à 3,7%. Pour la PPR, de 38% en 2011, aujourd'hui, nous sommes à 4,7%. Voilà, c'est un chiffre pour dire que nous sommes résolument lancés
dans l'éradication de ces maladies. L'intérêt de la lutte contre ces épizooties est de permettre une autosuffisance en produits carnés à la population, à développer le secteur de l'élevage et à amener les petits éleveurs à évoluer vers la création d'entreprises d'élevage pour mieux vivre de ce métier. Le préfet de Bassar, le colonel Jean-Faré Bonfo, a exhorté les populations à faire sortir massivement leurs animaux pour les faire vacciner afin non seulement de préserver les acquis des campagnes antérieures, mais aussi faire mieux. Dans cette campagne de vaccination, le Togo a reçu l'appui de l'OMSA, Organisation mondiale de la santé animale. Registre santé toujours et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. La FAO prête main forte au Togo. Un plan d'action national sera mis en place à cet effet. Les acteurs impliqués s'y attellent. Abidé Niassimi. Les antimicrobiens jouent un rôle critique dans le traitement des maladies des êtres vivants. Bien qu'essentiels pour la sécurité alimentaire et pour le bien-être, leur utilisation abusive peut entraîner l'apparition et la propagation de micro-organismes qui leur deviennent plus résistants. Pour amener les parties impliquées dans la gestion de la résistance aux antimicrobiens à une utilisation plus responsable de ces microbes, le Togo met en place un plan. Des années plus tard, l'évaluation de ce plan est engagée. C'est vraiment un plaisir pour nous, le bureau régional de la FAO, de venir vraiment aux côtés du bureau de pays de la FAO, soutenir le Togo hein, pour faire ces évaluations. Ces deux évaluations en fait, une évaluation qui va couvrir le système de surveillance pour la résistance aux antimicrobiens, utilisant un outil spécial de la FAO qu'on appelle Atlas, et aussi une évaluation du plan d'action national sur la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. On veut revoir avec les acteurs nationaux où ils en sont. Il y a un plan qui a été développé en termes d'activité où ils en sont. Nous venons vraiment au Togo pour évaluer vraiment ce qui est fait et ce qui doit être amélioré et identifier les actions prioritaires avec les parties prenantes du Togo. Voyez. Et là, après ces évaluations, on aura un document de plaidoyer et qu'on pourra utiliser pour demander peut-être la mobilisation des ressources pour aider le Togo vraiment à lutter contre la résistance aux antimicrobiens. Point focal national, évaluateurs nationaux, experts internationaux vont devoir identifier les actions à prendre à court et à moyen terme pour améliorer le plan d'action national de la résistance aux antimicrobiens. Il sera bientôt mis en place un système de fourniture d'eau potable dans la zone du lycée Kara Sud, commune Kosa 1. Objectif, alléger les difficultés qu'éprouvent les populations de cette zone en matière d'approvisionnement en eau. Nestor Mouzou nous en dit plus. Pour faire face à la pénurie d'eau potable dans la ville de Kara, le maire de la commune de Kosa 1 a fait un plaidoyer auprès de la Chambre de commerce et d'industrie CCI Togo. Après des démarches, l'heure est aujourd'hui à la signature d'accords de partenariat pour la réalisation des ouvrages de fourniture d'eau potable à partir d'un forage dans le quartier où se trouve le lycée Kara Sud. L'accord concerne, en plus de la commune de Kosa 1 et de la CCI Togo, la société Eau Propre pour l'Afrique, le maître d'ouvrage. Le maire nous a approchés pour voir dans quelle mesure la Chambre de commerce pourrait l'aider. Nous nous sommes sentis interpellés par cette situation. Et donc c'est dans ce sens que nous avons rencontré plusieurs. Et on va dire le partenaire qui nous a écoutés jusque-là, on continue, on n'a pas fini. C'est donc l'ONG Eau Propre d'Afrique, pour donc voir dans quelle mesure aider la population de Kara. C'est vraiment ça l'idée. Donc c'est la chambre plurielle qui apporte son concours dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises au Togo. Le maître d'ouvrage rassure que les travaux ne vont pas tarder à commencer. Un mois maximum, on va installer les bonnes fontaines, mettre les cartes magnétiques à disposition des élèves dont on a parlé et des gens qui ont besoin de l'eau. Ça sera disponible dans un mois. Eau Propre d'Afrique, c'est d'abord une société et en même temps une association ou ONG, comme tout le monde le dit, mais c'est plus à but non lucratif. Le maire de la commune de Kosa 1 est comblé de joie.
je voudrais remercier Madame la Présidente de la Chambre de commerce. Ce n'est pas que l'eau pour aller à la cuisine, pour le bain, mais plutôt de l'eau à consommer, une eau de qualité. Vous pouvez comprendre la joie qui est celle de notre commune de pouvoir accueillir ce projet-là. C'est un projet assez important. C'est tout le dispositif de traitement de cette eau qui constitue un véritable défi. Et c'est ce défi qui vient d'être levé. Le coût des travaux d'installation du dispositif de fourniture d'eau potable à Kara Sud est estimé à 171 millions de francs CFA. Nous l'annoncions en titre, l'Université de Lomé et l'OTR ont réuni ce matin à Lomé d'éminentes personnalités du monde économique, universitaire et technique en fiscalité pour la première édition des journées d'études sur les enjeux des finances publiques au XXIe siècle en Afrique. C'est un cadre de réflexion et d'échange qui tente de trouver des solutions aux défis auxquels font face les pays africains à l'heure de la mondialisation et la numérisation de l'économie. Carmen Madiakapo. La mondialisation et la numérisation de l'économie ont des conséquences sur la fiscalité des États africains. Ces derniers éprouvent des difficultés à taxer notamment les entreprises du numérique, les exploitants des réseaux sociaux ou des plateformes numériques et les entreprises multinationales. Dans ces conditions, la fiscalité des États africains se trouve inadaptée. Il faut donc penser et analyser les économies de ces États. Comment y parvenir? La question fait objet de discussions entre experts en économie, en fiscalité et universitaires africains à ce colloque international de Lomé. On est dans un monde de globalisation, de numérisation de l'économie et ces facteurs sont potentiellement source de ressources fiscales pour nos États. Mais au même moment, ces facteurs favorisent des fraudes fiscales. Et ça empêche finalement qu'il y ait des ressources pour nos États. Donc ici, l'idée est véritablement de réfléchir pour voir quelles sont les conséquences de cette économie numérisée et mondialisée sur la fiscalité des États africains et de proposer des solutions afin de tirer le meilleur profit de cette économie. Pour certains économistes, une nation sans impôts et sans fiscalité est une nation qui se meurt. Comment donc les nations africaines peuvent-elles ne pas mourir? Au Togo, par exemple, l'Office togolais des recettes OTR a été mis en place pour augmenter les recettes fiscales. Aujourd'hui, ces recettes ont presque doublé. 400 milliards en 2012 contre 800 milliards en 2022. Et face aux enjeux de la mondialisation et du numérique qui ébranlent les systèmes fiscaux africains, l'Office a pris des mesures. L'Office togolais des recettes doit entrer dans ce monde numérique. Et nous le faisons évidemment en digitalisant progressivement toutes nos procédures. Le colloque actuel nous aiderait, nous, à améliorer notre prestation. Il y a par exemple des niches, c'est-à-dire des impôts auxquels nous n'arrivons pas à avoir accès, qui sont peut-être par fraude, par d'autres manipulations, nous échappent. Nous pensons qu'il y en a, et avec l'aide des universitaires, des autres techniciens fiscalistes, nous allons analyser, voir comment avoir accès à ces niches-là. Pour le professeur Akoda Ayewadan, représentant du président de l'université, les autorités fiscales doivent tout faire pour protéger l'assiette fiscale et mobiliser des ressources pour l'État sans entraver le développement et l'utilisation des technologies. Il faut réfléchir à la question, se poser les bonnes questions, trouver les outils les plus pertinents ou les plus performants pour pouvoir collecter ces ressources-là. Donc autant de débats vont être faits au cours de cette manifestation scientifique qui va tenir sur 2 jours pour éprouver nos outils, essayer de les faire évoluer,
essayer d'inventer s'il le faut, parce que c'est le propre de la recherche, et à terme, nous proposer les solutions les plus pertinentes pour avancer. Ce colloque a dénommé « Journée d'études sur les enjeux des finances publiques au XXIe siècle en Afrique » est le fruit d'une collaboration entre l'Université de Lomé, l'OTR et le ministère de l'Économie et des Finances. Le forum Erasmus Afrique-Monde, organisé au profit des jeunes togolais, a pris fin. C'est une initiative de la diaspora en collaboration avec le ministère de l'Artisanat pour aider les jeunes à explorer d'autres opportunités de formation. Christine Pétier-Kialoudé. Formation professionnelle, métier et employabilité des jeunes, des opportunités existent aussi bien au niveau national qu'international, pour aider les jeunes à mieux s'orienter dans le secteur des conférences, débats, panels et rencontres B2B ont marqué le forum Erasmus Afrique Monde. C'est une opportunité pour la jeunesse de s'attacher avec le monde professionnel en même temps, de pouvoir poser des questions, savoir les réalités qui sont sur le terrain. On a tellement appris afin de pouvoir repenser les formations. Ce cadre de partage d'expériences est l'initiative des Togolais de la diaspora, une contribution à la réalisation des actions prioritaires du pays en faveur du développement. Ce qu'on a essayé de plaider dans le cadre de ce forum, c'est voir comment on peut diversifier les sources d'assistance et d'accompagnement des jeunes. Parce que le gouvernement fait déjà beaucoup, mais il y a beaucoup aussi qu'on peut tirer de l'extérieur, que ce soit en termes de financement, en termes d'accompagnement pour faire du partenariat, mais aussi en termes de contenu de formation. C'est la démonstration du fait que la diaspora prend ses responsabilités sur des sujets cruciaux pour le pays. La question de mobilité des jeunes en parcours de formation, le renforcement de la synergie entre le monde de l'industrie et les formations sont quelques recommandations retenues à cette rencontre. On a trouvé qu'il y a des outils à mettre en place. Et le Togo est un modèle en matière de mobilité, en lien avec mobilité de services civiques. L'Agence nationale de volontariat, on a France Volontaire aussi qui est très dynamique. Donc il y a des leviers à mettre en place pour permettre aux jeunes en parcours de formation agricole d'aller voir qu'est-ce qui se fait, donc acquérir des compétences pour revenir ici. Nous allons maintenant passer à une étape de formalisation et formaliser toutes les recommandations qui ont été relevées et proposées, les recommandations qui ont été faites, de sorte que nous puissions matérialiser réellement les acquis de ce forum et voir comment on pourra mettre en œuvre la question de mobilité professionnelle au profit de la jeunesse, au profit de nos centres de formation. Le forum Erasmus Monde, c'est plusieurs partenaires africains et d'ailleurs inscrits dans une dynamique commune, la promotion des formations professionnelles pour l'insertion des jeunes. Partons tout de suite pour Kara, le président de la République Fort Essosim Nanyasibé. Il était pour la pose de la première pierre pour la construction de l'université de Kara et l'inauguration du grand marché de Kara. Nous vous proposons d'abord les images de son arrivée sur le site de l'université de Kara. Regardez. Thank you.
Togo va célébrer le 27 avril prochain le 63e anniversaire de son indépendance. L'une des activités inscrites au programme, la pose de la première pierre pour la construction de l'université de Kara. Les travaux ont été lancés ce lundi par le chef de l'État, Fort Essozimna Niasimbi. Désiré Aloué. Le chef de l'État, Fort Essozimna Niasimbi, donne le ton aux travaux de construction de l'Université de Kara. Ici, des infrastructures modernes verront le jour. Voici d'ailleurs à quoi va ressembler l'institution. Une vision du chef de l'État pour répondre aux besoins sans cesse croissants des nouveaux bacheliers désirant de s'inscrire dans les instituts et facultés à l'Université de Kara. Excellence, Monsieur le Président de la République, après la création de l'Université de Kara, par voie décrétale en 1999, après son ouverture effective et son inauguration officielle en janvier 2004, la communauté universitaire de Kara, la jeunesse du Septentrion et le Togo tout entier retiendront que c'est sous votre magistère que l'université de Kara a été définitivement ancrée dans son milieu par sa construction effective. L'Université de Kara, première université décentralisée du Togo, nourrit très légitimement l'ambition de se positionner à l'horizon 2035 en un véritable deuxième pôle d'excellence pour l'université moderne togolaise. Au nom des populations de la région de la Kara, le préfet de la Kosa, le colonel Hemou Badiba Obakali, a témoigné sa gratitude au chef de l'État qui toujours joint l'acte à la parole. Le projet se repose sur un partenariat public-privé. L'État togolais et la société en vol partenariat Togo conjuguent leurs efforts portant sur le financement, la construction, l'équipement et la maintenance. Nous allons démarrer les travaux pour un projet de renforcement de l'université existante, mais avec des bâtiments beaucoup plus modernes, un plus grand nombre de facultés, une capacité d'accueil renforcée, des infrastructures sportives et de loisirs nouvelles. Et c'est un projet qui va se dérouler donc sur plusieurs années. Nous allons déjà livrer une première tranche, c'est-à-dire fin 2024. Et ensuite, nous allons entamer la deuxième tranche. L'université projette accueillir 30 000 étudiants à l'horizon 2030. L'effectif est en ce jour de 20 608, dont 7 005 filles. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'événement qui nous réunit ce jour s'inscrit dans votre vision de bâtir une université forte. En effet, cet événement a été travaillé, étudié, mûri de longues haleines. Et aujourd'hui, il se met en place et c'est le fruit de votre ambition. Une ambition que vous portez pour l'école togolaise, pour la jeunesse togolaise, qui est simplement de mettre à la disposition de l'école togolaise et de la nation des institutions fortes, des institutions qui permettent de mettre sur le marché des personnes bien formées et qui puissent s'insérer rapidement dès la fin de leurs études universitaires. L'enjeu, c'est de faire de l'Université de Kara une référence en matière de l'enseignement supérieur. Le chef de l'État, pour marquer cet événement de portée académique moderne, a mis en terre un plan centenaire, le Baobab. Nous vous proposons à présent les images de l'arrivée du président de la République au Grand Marché de Kara où il a présidé la cérémonie d'inauguration. C'est l'effervescence à son arrivée.
programme très chargé pour son excellence au cours de cette journée. Passons maintenant à la cérémonie proprement dite, l'inauguration du marché de Kara par le chef de l'État Fort Essozimna Niasimbe, un ouvrage implanté sur près de 6 hectares. Nestor Moussou. Un imposant bâtiment à trois niveaux qui se dresse majestueusement. C'est ce joyau que le chef de l'État Fort Essozimna Niasimbe a inauguré ce matin à Kara. Le nouveau grand marché de la ville de Kara va dans quelques jours ouvrir ses portes aux commerçantes, aux commerçants et à la population. L'édifice, construit sur un peu plus de 5 hectares avec une emprise au sol d'environ 4 500 m², compte du rez-de-chaussée au deuxième étage 736 unités d'étal individuelles, 72 boutiques, 5 locaux dédiés aux banques et assurances, 8 magasins grossistes, 6 unités de chambre froide, un poste de police et une infirmerie. Le bâtiment dispose d'un aménagement extérieur constitué de jardins, d'une esplanade et de parking sur le reste de la surface et tient compte de possibles extensions en plan. Souhaitant la bienvenue à l'assistance, le préfet de la COSA, Hemo Badibawakali, a remercié le chef de l'État. Le grand marché du Kara est le fruit d'une recherche qualitative, des travaux et d'une garantie sécuritaire basée sur les normes de construction internationales. Cela se traduit par l'intégration d'un système de réseau incendie armé avec 6 bouches d'incendie alimentées par 2 bâches d'un volume de 120 mètres cubes chacune, d'une voie paramétrique centrale de 6 mètres affectée aux pompiers et à l'acheminement d'équipements pour les expositions, des voies de desserte de 3 mètres et les axes intérieurs de déambulation de 3 à 4 unités de passage permettant de passer devant les étals et les commerces. Les entrées, à savoir 2 accès principaux et 2 accès secondaires, sont organisés avec des sas et des locaux de sécurité permettant la liaison horizontale qui donne accès au monte-charge, à un ascenseur et 4 escaliers, dont 2 intérieurs et 2 périmétriques. Une joie indicible se lit sur le visage des commerçantes et commerçants. Dans quelques jours, ils vont intégrer un joyau futuriste et respectueux de l'environnement. Excellence, Monsieur le Président de la République, toutes les femmes et les hommes aussi du grand marché de Kara vous disent infiniment merci. Nous avons compris que si l'accouchement a été long et pénible, c'est que le bébé est tellement gros et beau. Oui, regardez avec moi l'immensité et la splendeur de cet ouvrage dressé devant nous. Merci. Merci une fois encore. C'est à travers le PARMCO, projet d'appui à la reconstruction des marchés et aux commerçants de Kara et de Lomé, que les ouvrages ont été réalisés. L'État togolais a bénéficié de l'appui de certaines institutions financières, dont la BAD, Banque africaine de développement. Je souhaite tout simplement, Excellence Monsieur le Président de la République, souligner la fierté de partager votre vision et d'avoir contribué à la réalisation de cet édifice au profit des productrices et producteurs, commerçants et commerçantes du Togo, en particulier ceux de la région de la Kara. Nous sommes convaincus que le grand marché sera le lieu de villégiature pour tous les visiteurs de la région de la Kara qui y trouveront des produits locaux made in Togo. Coût total des ouvrages, 7 974 millions de francs CFA. Le nouveau grand marché de Kara est l'illustration de la volonté du président de la République d'apporter des solutions efficaces et concrètes aux préoccupations des populations conformément à sa vision stratégique Togo 2025. En autorisant l'ouverture du présent ouvrage aux commerçants, vous joignez une fois encore
l'acte à la parole pour répondre au mieux aux préoccupations de nos producteurs agricoles. Avec l'inauguration du Grand Marché, s'ouvre une nouvelle page des activités des commerçantes et commerçants de la ville de Kara et de ses environs. Activités qu'ils espèrent fructueuses pour contribuer à la croissance économique du pays. Le rappel de la suite du programme du 27 avril avec Joseph Amégan. Programme des festivités du 27 avril 2023. Lundi 24 avril 2023, 8h30, pose de la première pierre de l'Université de Kara. 10h30, inauguration du nouveau marché de Kara. 14h, inauguration de l'IFAD élevage de Barkwassi. Mercredi 26 avril 2023, 8h30. Discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. 11h, inauguration de l'hôpital Docteur Lafière. 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Jeudi 27 avril 2023, 6h, 21 coups de salve. 8 heures, mise en place terminée à la place du défilé. 8h15, arrivée de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 8h20, arrivée de Madame le Premier ministre. 8h30, arrivée de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées. Revue des troupes. Honneur militaire, prestation des chorales, saut parachutiste, début du défilé militaire. 10h30, fin du défilé. Les festivités dans les chefs-lieux de préfecture, jeudi 27 avril 2023. 7h30, défilé des éléments de force de défense et de sécurité présents dans le milieu. 14h, réjouissance populaire dans les quartiers, signé le ministre d'État Payadoua Boupessi. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent dans un instant. La météo à suivre le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.